Salut tout le monde, c'est Max28 et aujourd'hui on se retrouve sur Super Meat Boy. C'est ma première vidéo dessus, hein, donc je sais pas si vous me trouverez fort ou pas, non c'est pas grave. Je voulais vous dire aussi que oui, j'ai déjà commencé à jouer, hein. Je suis déjà au chapitre 2, mais je vais revenir au 1. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous dire que j'ai plus du tout de logiciel pour faire mes vidéos, parce que le logiciel que j'ai acheté à 35 euros, et ben je l'ai désinstallé, je l'ai réinstallé parce que il buguait, voilà. Et quand j'ai voulu le réinstaller, et ben il voulait plus, donc voilà. Après j'ai essayé de télécharger Sony Vegas Pro 11, mais il répond pas à chaque fois que je fais un rendu, donc j'ai abandonné. J'avais que Windows Live Movie Maker, et j'ai essayé, mais ça a pas marché. Il arrive même pas à prendre en compte mon intro dans le jeu, enfin dans le logiciel, donc pas jouer. Enfin, je suis fatigué. je vais pas faire des vidéos avec ce truc, donc en fait je vais faire que des vidéos sur PC maintenant. Je suis obligé. Je peux à peine mettre mon intro sur les jeux, enfin sur les vidéos, et vu que ça sert plus à rien de que je mette que j'utilise mon HDP VR filmer sur la PS3, vu que je peux plus faire le montage, comme ça j'enverrai direct ma vidéo sur du PC, vu qu'il y aura ma voix directe. J'arrive pas à monter, moi. Voilà. J'enverrai direct ma vidéo, et puis voilà. Bon, pour le chapitre 1, il est simple, hein. Ça commence à se compliquer vers la fin de celui-là, et au chapitre 2 c'est quand même dur. Vous voyez, c'est facile à rejoindre la fin du niveau. Des fois il y aura des niveaux qui seront hyper simples, mais en fait c'est pour intégrer un nouvel objet à chaque fois aux salles. Vous voyez par exemple là, il y a les murs qui se brisent quand je vais dessus, donc c'est juste pour l'intégrer. Et après il complique un peu plus. Voilà, vous voyez, en fait il faut sauter dessus, rester un peu et puis après passer. Donc, moi je joue sur PC, hein, j'ai la version craquée, à chaque fois que je joue le jeu, je vais pas lui acheter comme ça. Voilà, ce niveau je l'ai réussi du premier coup, mais la dernière fois j'ai resté au moins 30 minutes à essayer de le faire. Premier coup. Ouais, donc là il faut faire tout le tour. Voilà, oula. Ça fait quand même assez longtemps que j'y ai pu jouer. Oh, attendez. W, ça marche pas. Voilà, c'est... que j'ai vu le monde secret au fond. Là c'est comme un mini jeu, mais en fait on a que 3 vies, mais on pourra le refaire à chaque fois voilà. Non, si je réussis, normalement j'ai un nouveau personnage normalement. Donc moi, pour la première fois que j'ai fait ce niveau, enfin ce chapitre, j'ai pas réussi à... Enfin, j'ai même pas trouvé cet endroit. Je suis pas allé le chercher, en fait. Et donc là, c'est la première fois où je suis passé. Ah oui, d'accord. Je suis un autre gars déjà. Je vais gagner celui-là, en fait. Et sa technique de jeu, en fait, c'est... il peut un peu plus voler. Voilà, il plane plus longtemps. Enfin, il plane.
Ah oui, d'accord, ça me tue. Je m'en doutais, mais... Ah, c'est chaud, là. Le virage. Oups. Bon, je vais quand même assez galérer pour certains trucs qui sont quand même assez simples. Hein. Voilà, comme ça. Je suis resté trop longtemps appuyé sur espace et... Oh, mais non, attendez. Faut que d'accord. En fait, il faut que je reste appuyé sur espace pour planer. Non, trop dégueu. Bon. Oh. Bon. Surtout que vu que j'ai plus de logiciel maintenant, je peux plus. Je peux plus couper si je me rate longtemps. Donc je vais essayer quand même d'accélérer. De ne pas faire long. Oh, voilà, chaque fois je me rate. Putain, c'est comme en haut. Oups. Mais en haut, j'y arrive quand même assez facilement. Ah. Non, on peut encore. Oula. Oui, voilà. Et au bout d'un moment, je crois qu'il y a, voilà, il y a plusieurs niveaux à faire. Oups, oh, j'ai volé, j'avais même pas appuyé. Oh, mais, attendez, j'ai pas appuyé sur espace, là. Il faut que je tombe au milieu, d'abord. Ok. Allez, on va essayer de... Ce jeu, c'est fait pour tester vos nerfs, hein. Non, si vous avez pas compris le principe de Super Meat Boy, c'est ça. D'accord, je me suis arrêté. Surtout que sur PC, les touches elles sont loin. Pour sprinter, c'est la majuscule à gauche. Pour sauter, c'est espace. Pour avancer et reculer, c'est les flèches gauche et droite. Donc ça fait un large écart entre les trucs. Essayez pour voir le positionnement de vos doigts, ça va être un truc de fou. Donc voilà, alors... je vais changer de tête de personnage, hein, je sais pas. Ouais. Allez, je jouerai quand même avec lui. Ça c'est plus facile à avancer, etc. Voilà. On va essayer de finir ce chapitre pour cette vidéo, puis après je verrai si je continue les chapitres en vidéo ou pas. Dites moi dans les commentaires sur Facebook pour ce que je connais et tout, si vous voulez que je continue sur ce jeu. Après c'est comme vous voulez. Moi je peux continuer si vous voulez, mais je vais pas continuer si vous voulez pas. Je vais pas le faire pour rien. Ok, là il tire ça. Avec ce personnage c'est plus simple à éviter. Oula. Retombe. Ah, voilà. Ce niveau j'étais resté longtemps aussi dessus et celui-là en enfin, aussi. Voilà, lui était simple. On arrive dans les derniers, hein. C'est le 17 et il y en a 20, ouais, il y en a 20 je crois, et le 21 c'est le boss. Et le boss est très très chiant. Ok. Oups. Ok, je me suis pris direct le truc. Ah non. C'est pas le moment où je peux sauter. Ah oh, mais non, il va pas assez vite le truc. Ok, normal.
c'est possible sans voler en fait. Hein, non. Oh, oh, oh. Oh là là là. Oh le truc de fou. Comme je me suis gavé là. Donc je pourrais pas régler le son du jeu par rapport à ma voix. Vu que c'est sur frappe, etc. Ah ouais, d'accord. Donc je suis désolé si il y a des bruits par exemple quand je touche une surface avec avec ce personnage, ça fait du bruit quoi. Si ça vous gêne, ben, je suis désolé parce que je pourrais pas changer. Mais bon. Ah, il y a le passage, il y a un niveau en haut, mais bon, je vais pas y aller. Normalement c'est... Non, c'est juste après ce niveau... D'accord. C'est juste après ce niveau, le boss, normalement. Wow. Et donc les pansements, en fait, c'est presque l'argent du jeu. Hein. Avec un certain nombre de pansements, on débloque les personnages. À part quand c'est dans les niveaux... Voilà, et là c'est le moment très chiant, mais je crois qu'avec ce personnage en fait le monde est en ralenti, c'est pour ça que c'est aussi facile. Donc, si vous voulez que ça soit plus facile, débloquez ce personnage, et là on tombe sur le boss. Ah, le boss. Le boss, voilà. Ouais, je vous laisse le cinématique. Là, il, normalement, il va mettre la forêt en feu. Si je me souviens bien. Ou, enfin, c'est à la fin, comme ça. Ouais, c'est maintenant en fait. Donc lui c'est le méchant, hein, si vous avez pas remarqué. En fait c'est celui qui à chaque fois kidnappe la copine de Super Meat Boy. Et à chaque niveau il faut la rattraper, mais je sais pas, elle s'est renfuie. Mais enfin, c'est kidnappé. Et donc là c'est le boss. Et la dernière fois j'étais resté longtemps à essayer de le faire, donc je vais essayer. Ah oh, bah on est avec Super Meat Boy, normal. Bon, on l'aurait pas vu dans le truc. Et donc ce truc en fait il y a des scies, il y a des il y a des passages comme ça où à ouvrir, voilà. En fait quand on regarde bien c'est pas très dur, mais faut avoir la bonne technique et faut avoir la bonne technique et puis le bon timing aussi pour les sauts des fois. Et après vous allez voir que à un moment il y a le toit qui va nous bloquer pour sauter par le souvenir. Voilà, c'est ça. Non, je l'avais passé le plus dur, en plus je me suis pas assis. Putain. Allez, je vais essayer pour faire pas trop long. Énervé. Voilà, c'est la fin, c'est bon, j'ai gagné. Et là, ils se détruisent juste là. Ah. Allez, prends ça dans ta gueule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur Super Meat Boy vous aura plu. Hein, parce que... Voilà. C'était juste pour vous dire que je pourrais plus faire de vidéo à moins que je retrouve la solution au problème. Du logiciel, voilà, je pourrais faire que des vidéos sur sur PC, donc je vais essayer de voir si je peux craquer un certain nombre de jeux ou pas, que voilà.
Bon, Portal 2, vu que c'est sur PC, on pourra continuer le let's play. Par contre, il n'y aura plus de récapitulatif, vu que je pourrais plus le faire grâce à Vegas Pro. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que ça vous gênera pas trop. Je vais quand même essayer d'avoir le multijoueur de Modern Warfare 2 pour jouer avec Clément aussi. S'il a envie, on fera des petites vidéos ensemble. Puis voilà, je vais essayer de craquer aussi Black Ops sur PC. Comme ça, on fera des zombies ensemble. Voilà, des zombies à plusieurs, etc. Voilà. Donc là, vous voyez tous les écureuils qui sont morts là. Donc je recopie pas Dubux9 hein, qui fait des vidéos dessus, parce que Super Meat Boy je connaissais depuis longtemps, hein, mais j'y jouais pas beaucoup. Mais ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus, même avant ses vidéos, son Dubux9 is playing. Et voilà. Lui, il va surtout nous pleurer, voilà. Ça fait pitié. Donc à la fin de cette cinématique, on se retrouvera dans le menu et voilà, je vais arrêter la vidéo juste après. Allez, on dirait que ça ralentit le truc. Voilà. Chapter complete. Ah, pour continuer, mais c'est sur PC, hein. Des fois il y a des trucs comme ça. Ça lag un peu, désolé. Voilà. Donc la prochaine fois, si vous voulez que je continue cette vidéo, enfin c'est... Je sais pas pourquoi je peux bouger dans le menu là. Voilà. Donc la prochaine fois, on se retrouvera pour l'hôpital si vous voulez que je continue la vidéo dessus. Donc je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye bye.